Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le site Shein. Comme vous savez, je reçois quelques articles chaque mois pour que je puisse les tester et donner mon avis sincère. On ne change pas une introduction qui gagne, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas payée par la marque et le site pour vous faire ce genre de vidéo. Juste, je teste et je donne mon avis. Par contre, il y aura deux vidéos. Donc là, ça sera une ouverture de colis car j'ai choisi plein d'articles. Et il y aura une deuxième partie quand je vais les tester. Je vais les placer dans ma cuisine, dans mon salon, car il y aura du tri à faire. Ça sera l'occasion de faire le ménage du printemps ou pas. D'habitude, on n'oublie pas les codes promo. Vous pouvez bénéficier de réductions sur vos prochains achats. J'ai pris plein d'articles pour la cuisine, dont ce tapis. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. Voilà, c'est le genre de tapis que je commande à chaque fois. Il est très fin, moelleux, et vous pouvez le mettre à la machine à laver. Là, c'est écrit my kitchen, ma cuisine. Voilà. Donc ça, c'est bien pour mettre en dessous du lavabo. Comme ça, vous n'avez pas froid aux pieds quand vous faites la vaisselle. Ensuite, deuxième article, c'est pour la salle de bain. Encore un tapis. Tac, tac, tac. Donc là, c'est antidérapant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est à tester. Je vais voir comment il absorbe l'humidité. Et ça part au lavage 30 degrés. Par contre, il ne faut pas mettre au séchage. Ok. J'ai pris des boîtes de rangement. Voilà. Bien fermé. C'est en plastique. Il est blanc. Donc ça, à tester, on verra bien. Voilà, on me voit mieux ou pas? Désolée de la lumière de tout à l'heure. Voilà, je disais, c'est en plastique. Donc, j'en ai pris deux. Je vous montre aussi la couleur du tapis de bain et de la cuisine. Voilà. Le deuxième est ici. Alors, j'ai un placard pour mettre tout ce qui est alimentation. Je peux même mettre les gâteaux. Je mets un peu de tout. Ensuite, ça, c'est pour la salle de bain. Voilà, c'est pour ça que là, comme je vous l'ai dit, je fais une ouverture de colis. Et après, je vais vous filmer où est-ce que je vais mettre ces objets. Donc ça, c'est pour mettre, vous savez, tout ce qui est gel douche, shampoing. Voilà. Et normalement, il y a les ventouses. C'est pas avec... comment vous dire? Vous n'êtes pas obligé de percer le mur pour accrocher ce genre de produit. C'est avec ventouse. Je vais le trouver dans mon sac, je suppose. Ah, il est là. Donc normalement, il est un peu tordu, je l'ai abîmé ou quoi? Ok, je l'ai cassé. Je viens de casser ça. Ok, de toute façon il était tordu. Bon, c'est en direct live, vous savez très bien que je vous mens pas. Ok, donc ça c'était pour accrocher, vous savez, les gants de toilette. Oui, c'est cassé, mais c'est pas grave, on va tester quand même. Ouais. Mais là, il était tordu le truc, tu vois, regarde, déjà. C'est dû à la livraison. Bon, après, si vous arrive ce genre de choses, vous appelez le service après-vente, vous mettez une photo et il vous renvoie le produit, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je ne vais pas couper la vidéo pour vous mentir, hein. Bien au contraire. Je vous l'ai dit, hein, avis sincère, comme d'habitude, et ça arrive, hein. Donc, vous avez les deux accroches. Donc, ça, on va les coller la prochaine fois dans la salle de bain et je vais vous montrer si ça tient ou pas. Ok? Ensuite, donc celui-ci, il n'est pas abîmé, tu vois.
J'en ai pris deux. Ok. Du coup, ils sont où mes attaches de l'autre? Je les ai reçus ou pas? Ils sont là. Voilà. Tac, celui-ci. Je vois si je peux les accrocher. En fait, tu l'accroches comme ça. Hop, et là, tu colles au mur. Voilà. Tu vois, et après, tu mets ton gel douche et tout. Non, ça va, il est bien l'accroche. Pas besoin de percer le mur. Et encore, il faut qu'on teste si ça tient ou pas, si le poids va tenir ou pas. Donc là, j'ai une boîte. Ah non, c'est des boîtes de rangement. Si ma mémoire est bonne. Ah, ça, c'est des rangements pour les tiroirs de... Vous savez, dans la salle de bain, vous avez un meuble en dessous du lavabo. Et du coup, il y avait un lot de rangement. Voilà. Donc là, je pourrais mettre les petits élastiques transparents de Léna, par exemple. Ensuite, ici, je pourrais mettre des barrettes. Après, ici, je pourrais mettre les brosses à dents. Voilà, là, les produits. Tu vois? Donc, à tester. Ensuite, ici, j'ai un petit sachet. On dirait que c'est des colis perdus. Ah oui, donc ça c'est pour mettre la serviette, d'accord. Ah, par contre là il faut faire un trou. Ok, donc ça tu mets la serviette, bon, ça bouge. Ok, et là c'est quoi? Ah d'accord. Ah, donc soit tu peux coller double face, il est trop beau, tu vois, c'est moderne et tout, nickel. J'ai un autre colis, ah, je savais pas que j'avais pris ça. Ah, il faut mettre les clés, je crois. Il faut bricoler. En fait, c'est pour mettre les clés. Et là, tu mets les petites attaches. Voilà, ça aussi, je vais vous filmer. Et tu pourrais mettre les clés. Donc, je vous mets de toute façon les photos à côté. Ça correspond à quoi? Mais c'est du bois. Hein, tu vois. C'est tout simple. J'ai repris les lumières LED pour les filles. Vous avez toujours avec les commandes. J'ai pris la plus grande, je crois. Et vous pouvez le relier avec d'autres lumières LED normalement. Tu vois. Je vais quand même prendre l'autre que j'ai acheté. Et ça pour mettre dans une prise. Sinon ça ne s'allume pas, quoi. Vous avez des lumières LED sur le site. Là vous choisissez la couleur que vous voulez. Ah ça. Je le vois sur les réseaux sociaux. C'est pour... une brosse à toilette en fait, mais en silicone. C'est bizarre, c'est toi qui dois le monter le... Je m'attendais pas à ça en fait. Et ça aussi tu l'accroches au mur. Hop. Avec autocollant. Ça c'est facile, je fais ça et ça, et après tu mets ici. Moi je pense que c'est plus hygiénique, hein. Non, qu'est-ce que vous en dites? Non, oui, un lot de serviettes. Donc j'en ai, c'est un lot de 5 sur du lavabo. Hop, tu essuies tes mains, tu fais ta petite déco quand tu viens les enrouler là.
faut que je trouve une petite boîte. Tu vois, tac, tac, tac. Voilà. C'est la matière, c'est comme une serviette pour, vous savez, les cheveux. Non, une serviette microfibre pour vos cheveux. Ça absorbe l'humidité, l'eau en 2 secondes. Donc voilà, vous avez des serviettes sur le site Shein, hein, c'est ça qui est bien. Vous avez de tout, hein. Voilà, voilà. Je voulais les ranger, mais je vais les laver directement. Ensuite, j'ai commandé une poubelle. Regardez-moi le design de la poubelle. Il est trop beau. Il est super bien protégé. J'ai déjà une ouverture. Et celui-ci aussi, il est plastifié. D'accord. Waouh! C'est vraiment les produits qu'on voit sur TikTok. Hein. Waouh, c'est magnifique. On se croirait dans les... Ça s'ouvre ou pas? Ouais, ça s'ouvre. On se croirait dans les chambres d'hôtel, tu vois. T'as des jolies poubelles comme ça. Non, ça va, il est trop beau. Magnifique. Non, en fait, tu enlèves. T'as pas à visser ou dévisser. Non, il est trop beau. Voilà, ma nouvelle poubelle pour les toilettes. Franchement, je suis trop contente. Merci, Shein. Je sais pas si t'as remarqué, c'est vraiment des produits que j'ai besoin. Ça fait du bruit, là. Tlap, tlap, de tout à l'heure. Ensuite... Alors ça, c'est des attaches serviettes, je pense. Tu mets au-dessus de ta cabine de douche. Voilà. Comme ça, tu peux accrocher les serviettes. Trat. Une petite photo juste à côté. Donc ça se vend par lot de 4, ou c'est moi qui ai demandé 4, je pense. Et ça doit se vendre à l'unité. T'en fais voir. Non, c'est un lot de 4. Sachez tout, ouais, c'est un lot de 4. Donc, nickel. J'ai commandé des housses de coussin. J'ai pris couleur beige. Ouais, je les ai vus aussi chez Amina. Ils sont très, très bien. Ils sont trop beaux. Voilà, pour changer un peu, tu sais, parce que j'ai les... Ils sont tous gris, je me suis dit... changer un peu. Sinon j'achèterai des coussins. Non, ça va. Donc j'en ai un. Donc c'est 45 sur 45. J'en ai pris 2. Mais il est tout doux. Hein. Voilà. Donc ça aussi, ça va aller au lavage. Ah non, j'en ai pris 3. 45 sur 45. Je sais pas si j'en ai pris 4 ou pas. Je vais voir. Donc ça, c'est les petites Charlotte. Ça faisait longtemps. Pour ceux qui me suivent, savent de quoi je parle. Donc, tu l'ouvres. Alors, tu as un petit plat. Tu as mangé. Tu veux garder ton plat pour le lendemain. Ben, tu prends une petite Charlotte. Voilà. Qui est déjà cassée. Ok. Deuxième test, il faut faire attention, je pense. Hein. Moi, je suis brusque ou pas? Attends. 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 Voilà. Allez-y doucement. Voilà. Donc, vous avez plusieurs tailles. Voilà, tu as le bol. Trap. Pas besoin de prendre du film alimentaire. Il n'y a aucune odeur. Bon, après, tu me diras, c'est du plastique. Donc, je sais pas si... Ils ont du plastique alimentaire, je pense. Hein. Je pense pas qu'ils vont vendre un truc... Hein. Et Charlotte, pourquoi j'ai Charlotte? Parce que tu peux mettre sur ta tête aussi. Hein. Mais les rouges, ils sont encore plus petits. Mais les bleus, ils sont grands. Ou pas? Ah non, vous avez plusieurs tailles. Tac. Donc, à l'intérieur, j'en ai combien?
J'en ai 100 normalement. Donc voilà pour ça. Ensuite, là, j'ai ce petit sachet. Ah, je sais c'est quoi. Tu mets tes serviettes, tu ouvres la porte de ton placard dans ta cuisine ou un placard de la salle de bain, comme tu veux. Hop. Tu viens l'accrocher comme ça et après tu peux mettre ta serviette. Pas besoin de faire des trous. Limite, tu peux même le mettre au-dessus de ta porte. Voilà, et tu accroches. Bon, pour les femmes voilées, vous pouvez accrocher tous vos voiles. Tu vois, vous avez de la place. Vos écharpes. Et c'est noir. C'est design. Très bien. Je valide. Donc, j'ai une boîte ici, les amis. Qu'est-ce que je vais trouver dans cette boîte? Je pense que c'est pour... je sais pas si c'était pour mettre mes produits lave-vaisselle éponge. Et pourquoi c'est en biais? Parce qu'en fait, quand tu mets tes éponges pour que l'eau puisse couler. Voilà. Non, c'est ça. Et là, tu peux mettre tes petites serviettes. Ouais, tes serviettes microfibre. Il est beau, dis donc. Il est trop beau. C'est qualité, hein. J'ai hâte de vous filmer tout ça. Hein. La vérité, quand je les pose et tout, c'est trop beau. Mais en fait, elle m'a donné toutes mes boîtes. Moi, je pensais au début, j'avais que deux boîtes. Donc, elle m'a envoyé mes 5 boîtes. Et voilà, il est sorti le 4e. Donc, j'ai pris 4 comme ça. Et 5 boîtes de rangement. Donc vous allez voir, quand je vais ranger les aliments à l'intérieur, je ferai la petite vidéo. On retrouve mes boîtes de rangement. Encore pour... vous avez des tailles en dessous. Quand vous commandez, donc par exemple celle-ci, c'est la taille L. Vous avez la taille M et S. Donc ça aussi, ça va aller dans mes tiroirs de cuisine. Voilà, avec eux. Ou sinon dans la salle de bain. Je vais voir. Vous avez plein de rangements sur le site Shein. Voilà. Hop. Je garde pour tout à l'heure. C'est encore du rangement. Donc là, j'ai encore un petit sachet. Super bien emballé. Ah, ça c'est pour les cheveux des filles. Alors, pour vaporiser. Surtout pour les cheveux de Mademoiselle Léna, matin. Le petit peg qui va avec. Tac, même pour faire les mèches et tout là. Tu tricotes. Pour faire les baby hair. Tu vois, tu fais ça, tac. Mais bon, avec du gel, hein. Tac. Ah, trop bien. T'as vu? Carrément. Bon, normalement, on prenait toujours les brosses à dents de la maison et la petite brosse pour bien plaquer. Ça va, c'est ni trop dur ni trop souple. C'est entre les deux. Donc c'était pas cher ce petit lot là, c'est trop mignon. Ah, t'as même celui-ci, regarde. Non mais non, t'as rien. Là, les micros. Bon bref, on valide tout ce qui est coiffure. Vous savez très bien que je kiffe. Et là, je mets l'eau. Tac, tac. Je crois qu'ils vont pas me le casser. Il me fallait un comme ça pour l'huile et l'huile focale. Hein, c'est oublié. Prochaine fois. Donc là, j'en ai pris un deuxième. Ah non, c'est celui-ci. Donc il va là. Ouais. J'en ai pris un ou deux. Bah si, j'en ai pris un deuxième. Trop bien. J'en ai pris un deuxième pour accrocher les serviettes ou les vêtements ou les écharpes. Je vais mettre un troisième. Oui, un troisième, mais celui-ci est encore meilleur. Pourquoi? Pourquoi vous avez d'autres picots pour attacher d'autres petites serviettes? Ça aussi, tu prends
le bas de ton tiroir pour accrocher les torchons. Ou ça, tu mets sur ton four ou autre. Ah, ça, c'est trop bien. Ça, je valide à 100%. On ne sait plus où accrocher nos serviettes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Vas-y, dites-moi. C'est pour mettre dans la chambre des filles. Hop. Pour leur linge. Regardez. Ou si on met les doudous de Léna, quoi. C'est un petit panier. Et après, hop. J'ai même un petit accroche, là, regardez. Mais je pense que ce sera pour les vêtements de mademoiselle Léna. Hein? Après, elle pourra mettre dans la salle de bain. Et pour terminer, il me reste deux objets. Alors. Ah, trop bien! Je vous ai dit, il m'en faut peu pour être heureuse. Hein. Ça, c'est pour accrocher les balais, la serpillière. À chaque fois, il tombe. Depuis le temps que j'en voulais un. Donc, c'est un lot de deux. Ouais, c'est un lot de deux. Donc, s'ils sont bien, je vais en prendre d'autres. Donc là, on fait style, on l'accroche au mur. Donc là, il est accroché au mur. Tac. Il est accroché au mur, d'accord. Après, tu prends le manche du balai et trat. Normalement, tu l'accroches. J'espère que ça va fonctionner, hein. Trop bien. Je vous mets la photo juste ici. Comment ça se passe? Ça, je suis contente. Donc ça, c'est une... ouais, une horloge pour les enfants. Après, il y a un bébé à côté. Tu fais de la lumière? Ah, tu peux même mettre la lumière que tu veux. Mais regardez-moi ça. Pour enlever le film. Hein. Ici, pour régler. Et tu as le... mettre une prise, tu as le mode d'emploi, voilà. Donc on va le tester ensemble dans la prochaine vidéo, les amis. Et pour terminer, donc ça, il faut le monter. Je vous mets la photo juste à côté. En fait, c'est pour en dessous mon meuble lavabo, c'est pour mettre tous mes produits d'entretien en espérant que il est monté un peu quand même. On va voir. C'est moi, ouais, c'est moi qui dois le monter. Tu as le mode d'emploi. Ouais, ça va, c'est facile. En fait, c'est comme ça. Voilà, je vais mettre en dessous du lavabo et comme ça je pourrais mettre mes produits d'entretien et venir les tirer vers moi. Voilà, vous avez plein de... Ouais, ça va faire. La matière m'a l'air bien. Ouais, ça c'est à tester. Maintenant, je vais le monter devant vous comme d'habitude. Et on viendra le placer en dessous du lavabo. Voilà, là j'avais un petit sac. Et voilà, j'ai plus rien. Donc merci beaucoup aussi Chin. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Ne vous inquiétez pas. Rendez-vous dans la prochaine vidéo quand j'installe tout ça dans ma maison. Et puis voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas le code promo. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!